Maintenant, à vous, vous devez écouter les 13 mi. Bonjour. Bonjour à tous. Regardez les vidéos. Vous parlez de trisomie 21. Je donne mon avis. À l'occasion du 21 mars, qui est la journée mondiale de la trisomie 21, nous sommes allés dans la rue pour en parler avec vous. Tu connais une personne avec une trisomie 21 dans ton entourage? Oui. Est-ce que vous pourriez me dire trois qualités que cette personne a? Très gentil, très sociable, très câlin, très organisé, très maniaque. Enfin, pour moi, c'est une qualité. Hein. Il rigolait beaucoup. Moi, je dirais l'organisation, la discipline et la patience. En fait, dans la vidéo, je crois qu'ils ont raison, en fait. C'est vrai, j'ai toujours au câlin avec mes parents et c'est ça que j'aime beaucoup. Parfois, on est content, parfois, il y a des hauts et des bas. Parfois, rien peu strict, mais je dis rien. Je n'ai qu'à moi-même, c'est tout. Que vous voyez une différence entre ces deux personnes? Bah oui, cette personne-là peut-être trisomique et l'autre personne peut-être pas. Et sur les deux photos, je vois qu'il y a une personne normale et l'autre personne qui est un handicapé. C'est sûr qu'on a fait différent. Qu'est-ce qu'il a? Il a toujours sourire à tout le monde. C'est une maladie qui se voit pas. Moi, je suis bien content d'être comme ça. C'est juste que c'est une qualité en fait, une qualité d'amour. Personnellement, quand je vois le mec à gauche, je vois un handicapé qui a réussi, les souriants, petit pouce en l'air, petite cravate, tout ça, moi je vois, on dirait qu'il a réussi. Moi je pense qu'on a tous réussi, tous. Je sais que pour nous c'est dur, mais j'espère qu'on va essayer en fait. Bah, pour aller passer le bac, ça c'est sûr, ça c'est dur. Est-ce que toi, t'as passé le bac? Non, en fait non, parce que pour moi c'est dur en fait. Qu'est-ce que vous pourriez vous apporter à votre avis, la personne de gauche? Beaucoup de créativité. Je sais pas, est-ce qu'on peut m'apporter un être humain normal, non? Ouais, on peut m'apporter de la rigolade, on peut faire un foot, on peut jouer à la play. Oui, ouais, donc c'est tout à fait d'accord avec eux. Jouer ensemble, rire ensemble, pleurer ensemble. Quel conseil vous donneriez, vous, à une personne porteuse de trisomie 21 pour justement mieux s'intégrer dans la société? Oh, de pas lâcher. De pas lâcher. De pas lâcher. Ouais. Le côté essayer d'intégrer plus dans le monde du travail et essayer de voir là où il peut y avoir des qualités que parfois on n'imagine pas. Bah en fait je pense que c'est pas à lui de faire un effort, c'est plus à nous. C'est eux qui doivent faire des efforts parce que je crois qu'ils savent pas encore comment ça marche en fait. J'ai fait beaucoup de stages, ça m'a beaucoup plu et on m'a accepté. Je travaille chez Eric Heiser à la place de la Bourse. Moi, je suis embauché de CDI. Maintenant, j'ai un contrat de travail. C'est moi qui ai signé. Tu étais fier? Bah oui. Moi, je suis 13 021 avec mon équipe. Moi, je suis le seul 13 en fait. Est-ce que vous êtes déjà senti jugé à cause des personnes porteurs de trisomie 21? Non. Est-ce que vous vous sentez discriminé par rapport à ces personnes? Comme moi, discriminé par rapport à eux? Vous avez un chromosome en moins que. C'est quand même un sacré handicap, non? Je sais pas. Franchement. Eux sont un peu déçus parce que nous, on a plus. Bah, je pense qu'on a plus de qualité. On a plus des talents et plus des plein de choses en fait. Parfois, on est intelligent. Intelligent, ça veut dire qu'on pense aux autres en fait. Et bah, moi, je pense qu'on est tous pareils. Je ne suis pas très différent des autres. Je me sens pareil.